Ces messages préenregistrés sont là pour répondre à toutes vos questions et à tout accident qui pourrait avoir lieu dans le cadre de votre aventure scientifique. Les tests qui vous sont attribués dépendent essentiellement de la façon dont vous avez plié le monde à votre volonté. Les sujets affectés au test du gel répulsif, suivez la ligne bleue sur le sol. Les sujets volontaires pour recevoir de l'ADN de menthe religieuse, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que ces tests sont suspendus pour une durée indéterminée. La bonne, c'est qu'on a un test bien plus intéressant, combattre une armée d'hommes menthes. Prenez une arme et suivez la ligne jaune. Vous saurez quand le test commence. Si vous vous êtes coupé récemment, vous avez peut-être remarqué que votre sang a la consistance du gasoil. C'est normal. Nous vous avons bombardé avec un laser invisible censé transformer le sang en gasoil. Donc c'est la preuve que ça marche. Si vous avez besoin d'aller aux toilettes après cette prochaine série de tests, informez-en un préposé au test, parce que vous avez de fortes chances d'excréter du charbon. Je vous rassure, c'est temporaire. Si jamais ça dure plus d'une semaine, revenez quand même nous voir, parce que là, c'est inquiétant. Pour information, pendant tout le prochain test, vous serez irradié par un supraconducteur à plein régime. Pour être honnête, c'est vraiment histoire de voir ce que ça va donner, sans doute rien. Au mieux, ça vous donnera peut-être des super pouvoirs. Au pire, 2-3 tumeurs qu'on pourra toujours virer. Mes hommages. Je suis Kev Johnson, directeur d'Aperture Science, société qui a joué un rôle crucial dans les auditions du Sénat suite à la catastrophe aérospatiale de 1968. Et vous avez sans doute déjà utilisé au moins une de nos inventions, ou les vils plagiats de concurrents sans scrupules. Black Mesa, c'est à toi que je pense. Le test, monsieur. Bref, vous vous demandez peut-être, Kev, en quoi consistent ces tests? Que contenait cet énorme pavé que j'ai signé? Est-ce que je cours un danger? Permettez-moi de vous répondre par une question. Qui veut gagner $60? Si vous êtes allergique aux cacahuètes, c'est le moment d'avertir quelqu'un, parce que le prochain test va peut-être transformer votre sang en jus d'arachide pendant quelques minutes. Le bon côté des choses, c'est que si on y arrive, on aura droit à une nouvelle catégorie de prix Nobel rien qu'à nous. Que je vous explique. Nous faisons une petite expérience de téléportation. Ça ne marche pas avec tous les types de peau, donc rappelez-vous à quoi ressemble la vôtre, et si elle ne se téléporte pas en même temps que vous, on la regreffera.